Bien, bonjour à tous. Bonjour. Bien, je vous rappelle, s'il vous plaît. Darchel. Présent. Laurélie. Présent. Kenzo. Présent. Delon. Présent. Tout le monde va bien? Oui. Ce matin, on va commencer par un peu de calcul mental. Donc, vous prenez votre ardoise. On va faire du calcul mental avec des nombres inférieurs à 100. D'accord? Alors, à partir d'un nombre donné, vous allez devoir, vous devrez soit ajouter, soit retrancher, soit multiplier, soit partager à part égale. Bien. Les calculs ne seront pas très difficiles. Par contre, il vous faudra être réactif. Bonjour les enfants, bonjour les enfants. Merci, asseyez-vous. Je vous présente une nouvelle élève, elle s'appelle Raël. Bonjour Raël. Je compte sur vous pour bien l'accueillir, pour lui présenter l'école comme il se doit. D'accord? Je vous remercie. Maître? Sois la bienvenue dans ta nouvelle classe. Tiens, si tu veux bien, assieds-toi par ici, il y a une place qui t'attend. Bien, prenez votre ardoise, au travail. Est-ce que quelqu'un peut me prêter une ardoise, s'il vous plaît? Pourquoi tu n'as pas faim? Non, c'est nécessaire. Non. Quand je tape dans les mains, vous levez l'ardoise, vous montrez le résultat. Alors, vous m'écrivez la moitié de 86. Top. Bien, c'est pas mal. Et passez le double de 47. Levez. Le double de 47, c'est 94. Bien effacé. 8 fois 6. 8 fois 6, 8 fois 6, 8 fois 6. Levez. J'ai 75 billes. Je les partage entre 3 élèves. Ça fait combien de billes par élève? Attention. 5, 4, 3. 2, 1, attention, levez! Une petite devinette avant de passer à la... Il y a 1000 personnes dans un avion et 1000 descendent. Descendent, maître. Je reprends pour énoncer. Il y a 1000 personnes dans un avion et 1000 descendent. Combien de passagers restent-ils à bord? Attention! Levez! Bravo Raël! Je vois que tu as été très attentive à ce que j'ai dit. Je te félicite.
Ce n'est pas un moyen de régler les problèmes. Par contre, ça ne me dit pas ce que vous êtes en train de faire debout, ici dans la classe, dans cette position. Vous savez que cette semaine, c'est une semaine, c'est la semaine de la lutte contre le racisme, vous le saviez? Il y en a qui le savent. Très bien, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Très bien, je vous le dis. Bien, alors à ce sujet, toujours sur ce thème, je vais vous distribuer un document dont on va faire la lecture. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Qui veut commencer la lecture? Et là, on y va. Le racisme est une croyance fondée sur la supériorité supposée de certains groupes humains sur d'autres. Être raciste, c'est mépriser, rejeter une personne à cause de sa couleur de peau, de la religion, de ses origines, de sa différence. Invente un slogan ou fait un dessin illustrant ce qu'il faut faire pour lutter contre le racisme. Ruben, dis-moi, mais tu n'as pas eu le texte. Tu es avec un dictionnaire. Tiens, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. Si on faisait un code routier de la fraternité, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on pourrait faire, on pourrait créer un code routier de la fraternité en faisant une signalisation. Ça vous intéresserait? Oui. Bon, ben on y va. Passage au piéton. Tiens, passage pour la fraternité. Non. J'ai trouvé un refus militaire pour qu'on ne passera pas par un coup de l'égalité ou de la fraternité. Ça pourrait marcher. Ouais, pourquoi c'est pas? D'accord. Thank you.
différence est une richesse qui n'apparaît qu'aux esprits clairs.